Qu'est-ce qui se passe avec les Parisiens, Ibrahimovic à Saint-Etienne, Thiago Motta, Cavani, Rien de spécial. Il se trouve que c'est toujours des matchs un peu. Des matchs, des échanges. Alors, à la rigolade, je préférais l'échange avec Ibra qu'avec Mota, mais voilà. Enfin, ce qui se passe sur le terrain, ça reste sur le terrain, quoi. Mais si c'est passé en zone mixte, justement, avec Mota, tu peux nous raconter. Ouais, vous l'avez vu de vous-même. Hein. D'ailleurs, ça m'a fait rire. Je sais pas pourquoi, j'ai revu, on l'a revu là, quand il était derrière. Je sais pas trop ce qu'il cherchait, s'il cherchait la provoque ou. Au début, j'ai peut-être été un peu naïf, un peu. En pensant que c'était que le mec était sincère, quoi. Et après, je me suis vite rendu compte que. Ouais, je pense que c'était de la provoque, peut-être pour me faire disjoncter, mais. Ouais, moi j'étais tranquille, je voulais profiter des 3 points, j'étais avec mes enfants, ma famille, j'avais pas envie de forcément, enfin vraiment pas du tout, enfin je pense voilà, c'est passé sur le terrain, ça a fait Dieu, voilà, l'arbitre il a sifflé, c'est fini, on a savouré la victoire et voilà, après sincèrement, qu'il soit là ou derrière moi ou pas là, enfin je sais pas quel petit manège il a voulu faire, mais enfin ça m'est indifférent.